C'est vrai que Yoshi va faire beaucoup de fer hein, de façon. Hein. Hop. Non, là il a plus de saut Yoshi, je crois. Ah si, je dis de la merde. Alors. Oh oui! Allez, le shield break! Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, c'est pas fait. Oui. Il part sur un classique, sur un F-Smash. Ouais. Il prend pas de risque. Il se dit c'est les pulses. Ouais, c'est les poules hein, si jamais je passe pas. 32% avec le donner, je crois, ah, juste. Ça fait assez mal. C'est un peu comme la tornade de MK en fait. Ouais, un peu, mais ça fait aussi mal la tornade de MK? Non, la tornade MK, tous les hits, ça fait à peu près 20%. 18, je crois, un truc comme ça. 28, voilà, mais c'est par contre, c'est tout sur cet inverso. Oh, bah, un jour, je me suis pris tous les hits vraiment de Meta Knight et je me suis retrouvé à 30%. Hein, j'étais à 0. Ah ouais? Ouais. Ah, oui. Ouais, le nerf du Yoshi, hein, ça, c'est super fort pour casser n'importe quoi, n'importe quel combo. Tu fais une nerf et là, c'est fini. Et là, son meilleur perso, hein, les gens. Attention. Donc, Kekong, un peu décevant jusque-là, quand même. Hein. Où j'ai cru qu'il allait se faire spike. Ouais, je crois aussi. Je crois qu'il cherche le grab. Il cherche le grab. Il cherche le fer là, Yoshiros. Ouais, Yoshiros, je pense qu'il a compris. Mmh. Donc, Kekong, c'est pas vraiment compliqué. Hein. Je pensais qu'il allait le faire sur contre le stage. Sur contre le stage, moi aussi. Parce que juste après, il y a. Comment ça s'appelle? Le footstool qui est presque garanti. Ouais. C'est ça. Le en mourant bien, normalement, on se sort plus rapidement de ce genre de choses. Hein. Allez, le spike, c'était vu. C'était vu. Franchement, le spike de Yoshi, je trouve que c'est l'un des plus faciles à mettre du jeu. Ah ouais? Ouais, franchement. Il a tellement de spacing dans l'air que je trouve que c'est vraiment facile de le mettre. Moi, tu vois, bon, même si le fer, tu l'utilises beaucoup avec Yoshi, tu vois, c'est ton aérial de zoning principal, tu vois. Genre, la hitbox du fer, je sais pas trop. Je pense qu'elle allait vers le nez. Je suis pas sûr un peu, tu vois. Moi, je trouve, je dirais, c'est plus celui de Mario. Enfin, à mon goût, tu vois, le spike plus facile. Ou le donner de Falcon. Le Mario? Ouais, le fer de Mario, tu vois. Ou le donner de Falcon, je pense, tu vois. Ouais, le donner de Falcon aussi, ouais, il est pas mal, hein, franchement. Ah, on part sur du MK. Mais franchement, il y a... Ce qu'il y a pour le donner de Falcon, je trouve qu'il y a besoin d'une ride pour le placer. Alors que pour Yoshi, c'est pas forcément le cas. Ouais, bon, okay. Regarde. Il s'attend juste. Il a même pas pensé. Hein. Il balance ça comme ça. Mais voilà, un petit FR. C'est parce que c'est un outil de zoning après, je trouve, dans les airs. Tu vois, voilà, Yoshi, ça combo beaucoup. Hein. Voilà, tu vois, il refait. Ouais. Alors que pour Falcon. Ah là là. Et nous, on parle de Falcon, mais il n'y a pas de Falcon là. C'est Meta Knight, hein, ça change. Hein. Les Perfect People. En même temps, Donkey Kong est un peu décevant tout à l'heure. Hein. Malheureusement, je pense qu'avec Meta Knight, il peut quand même faire un peu mieux. Mais bon, Meta Knight, parce que plus léger, il va mourir très tôt de chier. Perfect Pivot Dash Attack. Oh, ouais, non mais. Pourquoi est-ce qu'il a pris. Pourquoi il prend MK là? Le double saut de Yoshi, c'est invincible. Kesa, il a un K dans son pseudo, alors il joue des personnes avec des K. Donkey Kong, Meta Knight, Donkey Kong, Meta Knight et Captain Falcon. Il va jouer Didi après, tu vas voir. Didi Kong. Hop, Smash qui va passer. Ouh, très dangereux ce personnage de Yoshi, hein, ça aurait tué. Aucun souci, et voilà. Sur la plateforme, ça touche. Portée de cette attaque, il est intangible sur les pieds. Je sais absolument pas. Je pense pas. Mais c'est vrai en tout cas que ça va assez haut, ça c'est clair. Hein. Classique dash attack up B. Il s'envoie l'up. Oh là là, ça aurait pu être fini, je pense. Hein. Il s'est pas tourné assez vite. Ok. Alors, comment jouer Meta Knight? Alors, il faut spacer, voilà, se mettre à peu près à cette distance et spammer les dash attack. Voilà. Le dash attack, c'est beaucoup, ça va être tout le temps un dash attack, du up air, du up B. Tout le temps. Hein. Et après, occasionnellement, tu vas faire un truc pour mix up, mais après, ouais, c'est dash attack très souvent. Voilà, up air, up B. Heureusement, là, c'était carré, ça passait clairement pas. Ah, là, c'est bon side B à la Bolia. N'empêche que c'est passé, tu vois, c'est la petite mix up un peu. C'est un bon mix-up, ça aurait pas pu tuer là. Ouais, voilà, sur des rites, parce que tu dis. Le nerf, pas de tech de la part de Yoshi Cross. Pas de tech. Ah, c'est pas vite. Il se dit, il en a pas besoin. Hein. Il reste dans le feu tout le temps, c'est une mauvaise stratégie. C'est pas invincible, c'est inévitablement. Pour le jump. On a oublié le down throw pour Meta Knight. Ah, c'est vrai la down throw. Down throw to up smash. À 20%, puis après ça peut. Ouais, en fait, la down throw up smash c'est assez trou, mais c'est pas un combo optimal parce que c'est le combo cheap quand tu sais que. Enfin, quand t'es pas conscient que tu vas faire le reste. En fait, quand tu spin down throw, c'est mieux d'enchaîner direct avec des UR et des rides plutôt que faire un up smash. Le up smash est garanti, mais c'est pas au niveau des pourcents, c'est pas le meilleur. Ouais, on a le joueur de Meta Knight à côté, du coup, hein, il connaît les bails. Non, je
débuter avec Meta Knight, mais plein de trucs que je connais pas. Ouais, bon, t'es un second Meta Knight, tu connais quand même la base. Donc là, tentative dashguard là, ouh, l'air dodge qui esquive ben, le F-O, oh, et ça sort up B comme ça. Parfait, vous voyez là. Ouh, pas grand chose. Ça marche plus. Ouais, trop pour cent Yoshi. Là, c'est le moment triste où t'as tellement de rage que ça peut plus fonctionner. Ouais, c'est ça. Et hop, oui, up air, ouais. Qui là par contre, hein, pas besoin de combo, ça tue, comme ça, pas de soucis. Hein. 130% sur les persos légers. Non, mais... Attends, quoi? Il est passé derrière comme ça, juste avec un... Step dash! Un gentil... Ah, là, step là, dash. Connecte. Il s'est pas fait. J'attaque B. Là, par contre, ouais, vu qu'il n'y a plus les pourcents... enfin, pas la rage, pardon, chez Metana, du coup, là, ça passait tranquille. Mm. Ah. Qu'est-ce que je disais, là? Il attaque qu'avec le, la dash attack. Vous avez vu? Il s'en fiche de graver, il a la dash attack. Franchement, je comprends pas pourquoi on fait pas ça sur tous les autres persos. Hein. Ouais, c'est le soir la pizza. Ah, le soir, okay. Pizza. Mes parents m'ont dit qu'il y a un excellent kebab. Je crois qu'on a jamais goûté un aussi bon. Up air. J'ai fait. Ah, classique Meta Knight. Voilà. Pizza, hop, ton fro. Up air. Ça partir sur un EB. Ah non, ça arrive à s'échapper. Ouh, ça attaque pas. J'aurais cru une tentative de jablock un peu avec le down tilt, mais non. Non, ça n'a pas marché. Hop, le nerf. Ouh, ça aurait été très dangereux ça, ce fer. C'est vrai que là, ça empêche d'approcher. Hein. Tu dis, ouais, je vais edgeguard le Yoshi. Sauf qu'il a son fer pour se protéger un peu, tu vois. Du coup, c'est vrai que ça calme un peu. Le nerf qui passe, ça suffit pas. Donc là, Yoshi avec de la rage, il faut faire très attention quand même. Hein. Mm. Donc Metana était léger, hein, tu sais pas, un petit combo sorti nulle part et ça tue. Une petite dash attack, je sais pas. De Yoshi, non, après, ouais, Metana il va faire une dash attack et puis je pense que c'est. Là, tu vois, c'est up air, là, faut faire très attention, hein. Surtout s'il est CC sur les plateformes là. Genre, allez hop, l'up. Vu que ça bourrait le shield. Ah, ce up air là, il passait, c'était fini. Hein. Ouais, c'était fini. Oh, très bien joué. Pourquoi avoir des up air quand on a des F-Smash? Ouais, là, très bien joué, t'as vu là, il a tourné un peu sur lui-même et après, F-Smash là, coup de tête. Ah, c'est déjà parti. Bah ça, bah ouais, bah 2-0 du coup pour Yoshiro, ça. Ouais. C'est vrai que le match de Donkey Kong, il était tellement court qu'on l'a même pas vu passer en fait. Avant, il y a eu un Donkey Kong.